Salut à tous, c'est Gentlefun. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler des chars Warhammer 40 000, donc qui viennent de sortir à l'occasion du marathon Macrash, je crois. Enfin, je ne connais pas du tout Warhammer, donc pour les experts, vous pourrez m'expliquer ça dans les commentaires. En tout cas, il y a deux chars qui sont débloquables pour ce marathon, donc le Predator UM et le Vindicator UM. Me demandez pas l'origine, c'est pareil, je n'y connais strictement rien. On va strictement parler que du char. Donc c'est sous la nation Blitz, c'est un tier 7, il a 1320 points de structure, donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est sans plus. Au niveau du blindage de caisse, c'est 130 mm, c'est un peu anglais, mais bon. Contre du tier supérieur, style tier 8 forcément d'ailleurs. Vous allez vous faire percer plus ou moins comme du beurre. Donc ça, c'est attention, même anglais, c'est quand même compliqué. Au niveau du blindage de côté, c'est 75 mm et à l'arrière, c'est 45. Donc ça va vous permettre de faire pas mal de side-scraping. Donc si vous avez vu ma vidéo dessus, c'est parfait. C'est au niveau de la tourelle d'ailleurs, donc c'est un blindage frontal de 150 mm, 35 sur les côtés et 65 à l'arrière. Donc vous avez vu le profil de la tourelle, c'est assez petit et c'est assez anglais, donc c'est pas mal pour le hull down. Ça va vous permettre pas mal de choses au niveau de ce genre de position. Donc une vitesse maximum de 32 km/h, une vitesse en marche arrière de 15 km/h. Pour tout vous dire, au niveau mobilité, ça m'a fait penser à un MOS. C'est très pataud, c'est très lent, ça bouge pas forcément très vite, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur les chars fantasy. Bref, niveau mobilité, c'est pas son fort. On va passer maintenant au gun, et c'est ça qui nous intéresse, c'est 80 mm au niveau du calibre. Une pénétration à l'AP de 165 mm, 210 à la PCR et 38 à la HE. Donc c'est relativement faible, c'est assez moyen. Vous allez galérer à taper contre des heavy de tir supérieur type IS-3, IS-6, IS-5, etc. Vous allez devoir sortir la gold et c'est pas forcément assuré de passer. Donc au niveau des dégâts, c'est 180 mm à l'AP, 145 à la PCR et 250 à la HE. Chose à savoir, c'est un barillet à 3 coups, donc c'est ce qui fait un peu la caractéristique de ce char. Donc un barillet à 3 coups avec un temps de rechargement intra-barillet qui est de 12 secondes, donc c'est assez lent, mais c'est typiquement le temps de rechargement d'un Machat à peu près, enfin un peu plus court, et plus ou moins dans cet esprit. Donc c'est un peu plus long qu'un Chiri d'ailleurs, donc attention à ça. Au niveau du temps de rechargement entre obus, ça c'est plutôt pas mal, c'est 1,5 secondes, donc ça va vous permettre de balancer vos 3 obus en 3 secondes, donc c'est plutôt pas mal, en tout cas si vous tirez tout de suite. Au niveau de la précision, 0,36, c'est bof, mais ça passe, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la vitesse de visée, je crois que c'est 4,1 secondes, donc on va dire que ça peut aller, c'est plutôt bon. Par rapport à des chars avec des canons avec un calibre un peu supérieur, c'est quand même plutôt agréable. Au niveau donc du blindage espacé, contrairement, donc on va parler du Vindicator dans une autre vidéo, il n'y a pas de blindage espacé, donc attention à ça. Au niveau de la vitesse de rotation, c'est 36,5 degrés au niveau de la vitesse de rotation de tourelle et c'est 24 degrés au niveau de la vitesse de rotation de caisse. Donc c'est assez pataud, comme je vous l'ai dit, ça tourne pas et ça avance pas forcément très très vite. Une puissance moteur de 620 chevaux pour un poids de 750, pourquoi je dis 750 kilos? Attendez, je retrouve, désolé, les inconvénients de la prise. Je vais les retrouver, c'est pas grave. 620 chevaux, donc je vous disais, hein, et un poids, pardon, de 48,5 tonnes. Je vais y arriver. Donc ça fait un rapport poids-puissance de 12,8 chevaux par tonne. Donc c'est pas forcément très bon, mais comme je vous l'ai dit, c'est très très pataud. Chose à savoir, que vous ne savez d'ailleurs pas forcément, c'est qu'il a zéro dépression de canon. Donc autant vous dire que faire du hold down avec zéro dépression de canon, ça c'est assez compliqué. Et vous avez vu au niveau du profil, c'est super haut, c'est beaucoup plus haut qu'un IS-2 ou un IS par exemple au même tiers. Ça ressemble plus à un MOS.
L'avantage, vous allez voir dans la vidéo, c'est que ça va vous permettre de faire du hold down sur des éléments totalement improbables. Donc, trêve de blabla, on va passer sur les games de ce petit char. Donc, cette fois-ci, je suis avec Matt, donc Royal Roar d'Enya, donc un compère de clan. Donc, vous voyez avec le petit camo vert que j'ai mis dessus, le char a l'air un peu bizarre. Enfin, il n'a pas l'air très dans son élément autour des autres chars, mais bon, chacun son truc. Il est assez carré, donc ça fait un peu penser au SU-100Y, un peu futuriste. Donc, c'est pour ça que j'ai noté Box Tank 2.0 à Matt. Comme d'habitude, on va se diriger côté droit, bien sûr. Donc, on va essayer d'aller prendre un peu d'informations, etc. Donc là, vous voyez, même avec le boost moteur, bah, ça reste assez pâteau. On atteint assez facilement les 32 km/h, mais ça reste assez limité. Donc, ça fait un peu penser à un char américain, donc comme le M103, etc., mais beaucoup moins maniable et mobile, etc. Donc là, forcément, tous les chars de mon équipe regardent bah, le de ce char, et vous voyez par rapport à un 1375, vous pourriez en empiler 3 et ça vous donnerait la hauteur du Predator. Donc là, on spot le SU-152, on spot l'AMX-50-100, et bah vous voyez donc au niveau des pressions de canon, c'est pas forcément ça. On va s'avancer. IS-6 qui est spoté, Jack Pandotte 2 qui est spoté. On bounce malheureusement le premier tir. On va reculer parce qu'on n'a pas envie de se prendre une pilule de l'IS-6. Et du Jack Panther 2, je m'attendais à avoir des ennemis de ce côté-là. C'est pas grave, on perd déjà un premier char, c'est super. On va essayer d'aller engager. Donc là, vous voyez la vitesse de rotation qui est très 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 lente. On va essayer de passer la colline. Le petit M4 qui présente son côté. Donc on va lui passer deux tirs. Comme le premier n'est pas passé, pour 355. Donc là, l'IS-6, on voit qu'il est en train de pousser sur notre char derrière. Donc on va avancer, on va essayer d'engager le M6, enfin le char mutant, bref, et voir ce qu'on peut faire. Donc on va lui en passer un. On va essayer de lui en passer un deuxième si possible. Est-ce qu'on va pouvoir? Oui, deuxième. Et malheureusement, on se fait voler le kill. Donc là, malheureusement, Matt s'est pris deux TD sur la face. Il l'a senti passer. On est en rechargement. Donc vous voyez, le rechargement du barillet n'est pas forcément très, très long. Et donc là, vous voyez quelque chose qui est important. Si vous êtes en 1375, ben vous aurez aucun mal à faire du side hug sur ce genre de char, tout simplement parce qu'il n'y aura jamais la dépression de canon pour vous tirer dessus. Donc, chose importante à savoir qui pourrait vous sauver la vie en 1375 ou en char à bas profil type E25, vous êtes relativement safe quand vous êtes relativement proche de ce char. Donc, c'est bon à savoir, ça peut toujours servir. Donc là, on va engager le SU-122-44. On voulait lui faire la traque, c'est pas grave. On va passer le troisième tir sur le SU. Et donc, au niveau du canon, bah, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. En tout cas, sur des chars qui, du même tiers ou faiblement blindés, donc vous avez vu sur le mutant de côté, ça passe très bien. Et là, vous voyez, bah, je suis passé à la PCR, donc forcément, je me suis fait troller par la dépression du canon. La PCR sur un côté d'IS-6, ça passe, mais bon, on va dire c'est 50-50. On va essayer de reculer, voir si ce qu'on peut faire de front. On va se mettre un peu en down, et là vous voyez, ben, on est à la PCR et c'est relativement rouge. Donc 5-7, c'est une défaite, c'est pas grave. Ça vous permet de voir un peu ben, comment j'ai un peu découvert le char. 1915 de dégâts, c'est trop classe 3, soutien, etc. Rien de fou, hein, rien de spécial. J'ai quand même fait plus que le reste de ma team et la team ennemie. Donc c'est on va dire un très bon résultat. Et du premier aperçu que j'en ai eu, un char très pâteau. Vraiment, enfin, c'est la caractéristique qui ressort avec un canon qui est intéressant dans le sens où vous faites 180 par coup. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous permet de balancer des bursts assez sympas. En revanche, bah ça vous fait, je vous laisserai faire le calcul, je fais bien assez de calculs dans la journée. Donc on passe à la suivante, on est toujours en Predator, on tombe sur Frontière Marine, cette fois-ci on est top tier. Donc Matt dans son IS-2 qui est un tier 7 premium, on va se diriger à droite, ne me demandez pas pourquoi, je ne connais toujours pas la méta s'il y en a une et je ne sais toujours pas où aller sur cette map, mais j'aime bien aller de ce côté-là tout simplement. Enfin en tout cas dans ce char.
En y réfléchissant, je préfère aller de ce côté-là tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la dépression de canon pour pouvoir évoluer dans cette position. Donc on va aller se diriger côté droit, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc là, moi aussi j'ai le droit d'admirer mon petit char. Donc bah, au niveau look, ce serait pas un jeu basé sur la Seconde Guerre mondiale, bah, je le trouverais plutôt sympa pour un truc futuriste, etc. Ça ne me dérangerait pas. En revanche, pour un jeu dont les chars sont bah, tailleurs de panthères, etc. Même le mouse, ça fait un peu désordre. Donc là, on voit le petit IS, on vise le manquer, ça passe pas. Le deuxième passe et le troisième, bah, il nous présente son côté tourelle, ça passe très bien. Donc 353, plutôt pas mal. C'est dans les rôles un peu plus faibles, mais bon, c'est pas grave. On s'est mis en rechargement, on attend de voir si le LTTB spotait quelque chose. C'est pas le cas, donc on va pouvoir avancer sur les deux IS qui ont l'air un peu passifs. Donc on va en passer un en mouvement sur le Yes, le deuxième bounce et le troisième, c'est pas le cas. Chose à savoir, j'ai l'équipage au niveau 6 pour les skills et au niveau donc du reste des au niveau des équipements, je suis aux 3 niveaux. Donc j'ai tout débloqué avant de le sortir. Donc là, on sort l'IS tranquillement. Donc vous voyez, le canon fait quand même le taf. Il pique assez quand même par rapport au calibre du char. Donc là, on va pouvoir tirer sur le KV1S, on lui en passe un, il est mis en feu, le VKL est mis en feu, donc on peut avancer sur le deuxième IS qui est en train de, ben, ben, on va dire sagesse, essayer de reculer et de se mettre à couvert. Donc là, on a bouncé le deuxième, c'est pas grave, on s'est mis en rechargement, on va essayer de voir si on peut le finir. Non, c'est pas le cas. Matt est parti pour un RAM, donc c'est parfait. Et Matt le finit tranquillement. Donc là, on est à 3-1. On a un bulldog qui nous fait face, on bounce les deux tirs, donc probablement le comète et le bulldog. Donc vous avez vu là, ils ont tous les deux tiré sur ma tourelle. Donc au niveau blindage de tourelle, c'est plutôt sympa. Donc là, il a tiré sur ma caisse, la pénétration étant pas forcément super top sur le bulldog, si mes souvenirs sont bons, ça s'y explique cela. Et de toute manière, j'étais un peu anglais. On est en rechargement, on va voir ce qu'on peut faire sur le bulldog. Et là, donc vous voyez, dès que je présente mon côté de caisse, ben c'est du beurre. Donc là, on lui a passé un barillet complet pour 534. Il bounce encore sur notre tourelle. On est à 4-1, donc là, des chars qui sont au niveau HP assez low. Donc on va en passer un sur le bulldog. On finit le 1375 et il ne reste plus que le comète qui était en train donc voilà, de courir. Et clairement, avec ma mobilité contre un comète, je ne vais pas m'amuser à le poursuivre. Donc je sais pas, ben vous êtes peut-être plus courageux que moi, mais en tout cas, quand c'est comme ça et qu'on est à 600, ben moi je vais aller côté cap, hein. Je vais aller prendre des points de cap comme une petite fouine. Donc je vais aller faire quelques points de cap, tout simplement parce que j'ai la flemme d'aller chercher le dernier comète et mon équipe ben, va s'en occuper pour moi. Donc voilà, on est à 7-1 et j'ai réussi à choper quelques points de cap, donc c'est parfait. Donc vous voyez, top tier, ça fait l'affaire. Au niveau de ce char, en tout cas, tier 7, s'il n'y a pas de souci, il est plutôt efficace. 2326 dégâts, une gagne pas folle, hein, vous avez vu, mais on a pu charger, décharger les tirs, pardon. Donc au niveau de bas tiers, ça reste quand même agréable. Au niveau du canon, la mobilité est bof, la dépression de canon est bof, mais le canon est plutôt agréable. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en perspective avec votre style de jeu, si vous aimez des canons à barillet, etc., que vous voulez absolument un premium à barillet, ça peut être une bonne option, sachant que bah, vous êtes prévenu, en tout cas le blindage de caisse fonctionne plus ou moins contre des tiers 7, mais au-dessus c'est un peu compliqué contre des tiers 8. Donc là on est encore dans une gamme de tiers 7. Donc sur Middlebourg, donc vous voyez le vindicateur derrière moi, on va aller côté ville, tout simplement parce que bah, là vous voyez, j'allais me diriger côté colline et notre équipe a décidé d'aller en ville. Et sachant que je ne connais pas du tout, enfin c'était ma troisième game dans ce char, je ne vais pas m'amuser à essayer d'aller improviser dans le sens où je ne connais pas du tout les caractéristiques du char. Donc j'ai préféré suivre l'équipe
C'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon, ça je ne sais pas. En tout cas, on va se diriger côté ville et ça va nous permettre peut-être de faire un peu de set scraping. Donc là, on spot le petit M445, on va lui placer un tir et avancer tranquillement. Donc on va essayer de baiter son tir. Est-ce qu'il tire? Oui, il a tiré, donc on va pouvoir lui en mettre un deuxième et se lancer en rechargement. Donc là, malheureusement, je me suis coincé. C'est pas grave, on va continuer d'avancer, voir s'il n'y a pas des campeurs, etc., des retardataires qu'on pourrait choper, sachant que le 121 mm ou 122, je sais plus, de maths fait relativement mal, ça fait assez mal. 400 d'alpha, si mes souvenirs sont bons, 390. Le blast qui est spoté, on lui en passe un, on lui en place 2 et on lui en passe 3. Parfait, 618, merci beaucoup. Donc vous voyez, au niveau du burst du canon, c'est relativement agréable. Ça fait très très mal quand ça passe. Donc là, le chéri qui en demande et on va voir un peu ce que ça donne. Deuxième et le troisième qui passe. Donc là, vous avez vu au niveau de la vitesse de déchargement de barillet, le chéri est légèrement supérieur à celui du Predator. C'est un truc à savoir. Donc là, l'ARL qui s'est présenté, on est en side, il bounce sur notre côté, c'est parfait. Donc vous avez vu, niveau side, il n'y a pas de souci particulier tant que vous ne donnez pas trop d'angle. On se prend un tir du Blaze qui nous attendait, c'est pas grave. On est à 2-1, je me fais pas trop de soucis quant à l'issue de la game, sachant que Mathieu-Math est quasi est full life, je crois, donc je me fais pas trop de soucis. On se remet en side, on va passer un tir sur le chéri et le SU le derp dans la face. Donc oui, Math était full life, donc c'est parfait. Donc on va se remettre à couvert, on va voir comment sont déployés les ennemis et on va se remettre en side scraping. Donc toujours essayer de donner le moins d'angle possible en ayant des tirs effectifs. Donc premier tir qui passe, deuxième tir qui passe, troisième tir qui passe, c'est parfait, 544 dégâts. On est en side, donc là vous avez vu, c'est relativement agréable. Enfin, si vous êtes sur une map de ville, c'est plutôt sympa. Le Tiger, on va lui en passer un, on va lui en passer un deuxième et on va passer un troisième sur le Blaze. Malheureusement, ça passe pas, mais bon, on a évité la sortie, c'est plutôt pas mal. Donc, vous avez vu, dès que vous exposez votre caisse, ben forcément, c'est surtout s'ils sont en surplomb par rapport à vous, vous n'allez pas forcément bouncer beaucoup de tirs. Mais dès que vous êtes en side, si vous ne donnez pas trop d'angle, donc c'est plutôt agréable. Donc là, encore une fois, je suis flemmard, hein. On est à 6-1, il reste un Tiger à 323, donc autant vous dire, je vais rester en bas et regarder Matt essayer de détruire le petit Tiger 1. Voilà, donc une game plutôt sympa, hein. Donc vous avez vu les capacités du char en side, c'est plutôt agréable. La dépression de canon n'a pas posé problème dans le sens où ben, on était sur terrain plat, 2742 dégâts, classe 3, confédéré, Matt qui fait 2000 dégâts, gros carry à 2, enfin bon carry à 2. On n'a pas eu de problème de pénétration également. Tiger 2 est passé de face et c'était le char à peu près le plus blindé qu'il y avait. Donc pas eu besoin de recourir à la gold. Donc conclusion de cette petite game, c'est un char de ville, c'est un char qui apprécie les terrains plats et qui peut facilement sidescraper. Et vu le format du char, qui peut facilement river sidescrape. Donc c'est plutôt bon à savoir. On va passer maintenant à la dernière game que j'ai enregistrée pour ce petit char. J'ai essayé de faire relativement rapide, tout simplement parce qu'il y avait pas mal d'édits à faire avec ces deux chars. Donc cette fois-ci, on est sur mine. On tombe sur le même petit peloton avec le Blaze qui a un pseudo, donc voilà, qui est assez drôle. Donc on va se diriger comme d'habitude côté colline parce que vous savez que c'est l'endroit où aller. Et ben voilà, donc le peloton en face est plutôt sympa. Ça les a amusés, tant mieux. On va aller essayer de se mettre en zone et voir ce qu'on peut faire. Donc le T32 a l'air d'aller dans la bonne direction. Nos médiums ont l'air d'y aller également. C'est parfait. Le Bulldog qui va essayer d'aller prendre l'information. T49 qui se présente. Et bah, le T49 et le Bulldog ont pris tarif. Donc nous, on va essayer d'aller apporter notre soutien au Bulldog pour essayer de finir un T49. Donc on en passe un, on en passe deux. Est-ce qu'on va pouvoir en passer un troisième? Je me fais pas trop de soucis. Troisième passe. Petit le rôle, mais c'est pas grave. Et là, l'ennemi est en train de pousser, donc c'est parfait. Nous, on est en rechargement.
Le temps de rechargement est relativement court. On va essayer de passer quelques tirs. Bon, le premier, je l'ai pas eu, c'est pas grave. On va se remettre à couvert. Il y a quelqu'un qui nous a tiré de la position des snipers. Donc vous avez vu, le char est relativement haut, donc ça peut poser problème. Donc je savais pas, mais j'étais un peu exposé au niveau de ma tourelle, et comme c'était le côté de tourelle, eh bien c'est rentré comme dans du beurre. Donc là on s'est un peu avancé, donc l'ennemi a l'air d'avoir pas mal de campeurs, c'est pour ça que je me suis permis d'aller dans cette position qui est assez risquée. LTTB qui se présente, on lui en place un, on était anglais, il a tiré je pense sur notre casque qui était anglais, et là donc on va, j'ai trouvé une position qui était relativement sympa, donc on va pouvoir passer un tir sur le T43 et le troisième qui part et qui fait des dégâts. Donc la position que je voulais vous montrer qui est assez drôle, donc là vous pouvez vous mettre en hold down sur ce rocher, donc c'est, j'en croyais pas mes yeux, donc c'est comme ça, vous voyez là je suis en train d'expérimenter un petit peu, je suis je vise le 25, ça passe pas, c'est pas grave, on va se retourner vers le T43 qui en redemande, et donc vous voyez je suis plus ou moins hold down par rapport à ce rocher, donc c'était plutôt drôle. Donc c'est le profil de ce char qui est assez haut qui permet ce genre de choses. Le 25 qui se présente, bah c'est parfait, hein. on va pas se faire prier, et on va lui passer, non on lui passe pas le troisième, c'est pas grave, on se met en rechargement, ils sont tous one shot, on est certes à 3-3, mais bon vous voyez moi j'ai pas perdu beaucoup de points de vie. Matt qui en a pas perdu également, qui est à moitié de vie, T23 qui est également bien fringant, on voit le petit LTTB. Donc là j'ai créé ma dépression de canon en me mettant sur une descente, donc c'est ce que vous apprendrez à faire, c'est avec les chars qui n'ont pas de dépression de canon, c'est utiliser le terrain pour en avoir. Donc le T23 va finir le LTTB, on est à 4-3. Il reste maintenant le Blaze, le 25 et le T43 qui sont one shot, et donc le T23 avec son temps de rechargement va se faire plaisir, il sort son quatrième kill et va sortir son cinquième kill, donc joli kill steal du T23, très très bon kill steal, enfin 5 kills pour lui, on ne dira rien. Donc nous on a fait notre taf, 2100 dégâts, 50 000 de crédit, c'est plutôt honnête. Matt a fait 1500 également, et après à Colin, donc il a fait son taf également. Une partie plutôt sympa. Et donc pour on va dire pour conclure sur ce char, c'est un char qui est relativement agréable contre du tiers équivalent et du tiers inférieur. Contre du tiers supérieur, vous allez devoir sortir à la gold et forcément votre alpha sera réduit et c'est un peu moins, on va dire, il pourra un peu moins peser sur la game, sachant que votre caisse est en beurre, que votre tourelle fait bouncer certes, mais n'est pas invulnérable, et ça c'est, il faut bien que vous sachiez, de que vous tournez votre tourelle sur le côté, ben c'est en beurre. Donc un char qui selon moi est assez bateau, qui selon moi ne vaut pas les 25 000 gold à dépenser pour l'obtenir. En tout cas c'est, on va dire, agréable quand vous pouvez être en soutien, pas prendre trop de tirs dans la face, etc. Est-ce qu'il est OP? Certainement pas. Enfin, vous avez vu la première diem, je me suis fait absolument oblitérer par des tirs supérieurs. Donc clairement, c'est pas forcément OP. C'est tout pour aujourd'hui, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté, ce que vous en avez pensé, si vous ne l'avez pas acheté, si vous comptez aller chercher, etc. Vous fatiguez ou non pour l'avoir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Également, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis probablement à demain pour la vidéo sur le Vindicator si j'ai le temps d'éditer, en tout cas elle arrivera bientôt. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, et je vous dis à bientôt. Allez, salut !